Donc salut à tous, ici Vieri, je suis avec Begito toujours. Ouais, c'est moi Begito, salut tout le monde. Ouais, il est en forme, il a mangé ses hormones, maintenant il parle avec une grosse voix. Ouais. voilà, donc encore une petite cinématique. On se dirige vers vers le Kisharmat. Oui, sûrement, c'est possible. Voilà, encore une technique, donc je suis vraiment payé en technique. Hein, Mantis c'est... combo. Ah ouais, peut-être Psycho-Mantis. Ça serait bien d'avoir un coup à la Psycho-Mantis où il faut changer de manette. Où les adversaires doivent changer de manette. Si tu aurais un coup à la Psycho-Mantis, tu serais carrément invincible. Ouais. Et bon, ça c'est autre chose. On va pas commencer un débat sur Psycho-Mantis parce que je pourrais tenir 2 heures dessus. c'est vrai, allez. Les coups sont... Je me rappelle jamais, c'est ici. Ouais. Non, c'est pas ici, c'est pas ici. C'est les parchemins. Les... Manuscrit, voilà. Alors normalement c'est... Ah là, en haut. Ah oui, le Mantis Combo. Unmove Mantis Combo has been mastered. Mais après tu peux le regarder dans la liste de coups aussi, parce que tu sais même pas ce que c'est en fait. Oui, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je me bats un peu à l'arrache quand je combat. Et je sais pas ce qu'il est, mais bon, ça devrait passer. Tu diras plus ça quand tu seras dans le CD3, tu verras. Tu verras bien. Je sais très bien, j'ai déjà fini le jeu, je sais très bien à quoi m'attendre. Après, ça va revenir, t'inquiète pas, les coups et tout ça vont revenir. Donc, on quitte ce quartier. Voilà, et il faut aller à Lucky Charm. Là où on trouvera le restaurant ou je sais pas quoi, où on pourra faire les signes et peut-être avoir un indice de nouveau sur Yandazu. Parce qu'on est tombé sur un piège, souvenez-vous, dans le dernier épisode. Le Kisharm est ici, ok. Voilà, c'est ici. T'es sûr qu'il faut aller à le Kisharm ? Oui, oui, sûr et certain. Sûr et certain, je l'ai vu dans le carnet. Voilà, allez. Donc le magasin s'appelle quelque chose Dinner, on va re-regarder. Dojang Dinner. J'ai une prononciation chinoise absolument horrible, mais c'est pas grave. Je sais pas parler chinois et écoute, c'est pas grave. Donc ici il y a tous les magasins. Demande à des gens. Non mais on devrait le voir à mon avis. Alors Manmo restaurant encore une fois. On trouve des Manmo. Alors je vais essayer de trouver quelqu'un. Quelqu'un ici. Dojang, où il se trouve ? Je veux bien, mais si tu te dépêches un petit peu quand même. On va essayer d'anticiper sa trajectoire. Voilà, comme d'habitude. Droite, tout droit. Est-ce qu'elle tourne à droite ? Est-ce qu'elle va à gauche ? Non, elle va tout droit, donc vas-y. Dépasse-la. Hop là. C'est gentil à elle, mais... Regarde bien les panneaux, surtout. Là, il y a un petit shop. Ça doit être pas loin. Ah, si. Voilà, ouais. Ah, c'est bon. Ah bien, il a trouvé. On te remercie Ryo, on avait deviné. Ça ferme à 20h, c'est marqué sur le panneau. Ouais, donc ça aurait été trop juste pour y aller la veille. Voilà, des tasses. Allez, on fait le signe, si on se rappelle bien. C'est à gauche en haut et le troisième en bas. Voilà, c'est ça. Toujours la texture des tasses que j'aime bien. On dirait des textures HD, franchement ça me plaît bien. Voilà. On attend. Et normalement, on devrait avoir un nouvel indice. Alors il faut attendre 8 heures apparemment ici. Et le mec a disparu évidemment parce que dans tous les films, dans toutes les séries, quand quelqu'un, vous voyez quelqu'un sortir d'une porte et que vous le courez après, il disparaît automatiquement derrière. Moi j'ai une explication de logique, c'est qu'en fait il était encore dans l'écran de chargement. Enfin, il n'a pas encore popé dans la map et donc... Ouais, il faut attendre. Non, ouais, c'est sûr que c'est pas un MMO, tout le monde n'est pas... Donc il faut que t'ailles où ? Normalement il faut que j'aille ici, il faut que je... 20h au restaurant. Ben mets-toi devant, regarde s'il y a marqué wait. Non, il rentre. Il rentre, peut-être qu'il fallait s'éloigner, je sais pas. Ah ben non, voilà, il faut attendre dedans. Il faut rentrer dedans et il va te dire. Ouais, voilà.
Allez, bon, on va attendre, on perd pas de temps. Comme d'habitude, il attend debout. Un mec très discipliné, ce Ryo, franchement. Ça m'épate. Attendre devant l'entrée, comme ça, bloquer tous les clients qui passent. C'est assez surprenant. N'importe quoi. Avec la petite bougie. Ah ouais, la petite bougie. Un petit dîner aux chandelles avec personne pour l'instant. On dirait qu'ils ont fermé le restaurant. Ah, et voilà, lui, le gars qui nous a donné le message tout à l'heure, il a l'air moins dangereux. Ouh. Il a un problème avec sa face, je crois qu'il s'est fait écraser le visage par un camion, un truc comme ça. Ah, d'accord. C'est le serviteur de Yantazu. Oh merde, nos copains. Ils ont pété la vitre. Regard très explicite de Ryo. Et lui il m'attaque alors que le chargement n'est pas fini. C'est pas gentil de ta part, prends-toi ça. L'excuse. Ah mais c'est vrai. Tu vois, je vais essayer de mieux maîtriser cette fois-ci. Fais X et A en même temps. Avec avant c'était. Non, ça la technique. De la pop de la. X et A et avant. C'est ça. Alors moi je parle pas, j'essaie de me concentrer. Bon, pendant un instant, moi je vais essayer de commenter donc. Et super bye kick de Ryu Hazuki, oui, Dirondi. Des gros points bas petit pied. Gros points bas petit pied, oui, c'est magnifique. Le Tatsumaki qui passe, c'est incroyable. Ça, c'est pour les connaisseurs de Ken Bogart évidemment. Bon, l'imitation était assez approximative, mais bon. Non, mais je suis mauvais. Non, mais c'est un gars qui est inimitable, évidemment. On peut pas se permettre de. Qu'est-ce qui se passe? Ah non! Merde! Mon seul indice, le serviteur de Yandazu. Ah, pourquoi ça arrive qu'à moi, ce genre de truc? Parce que Ryo Hazuki a la gagne et il est naïf. Simplement. En attendant que le chargement finit, je suis à fond. C'est un QTE. C'est un QTE, effectivement. Le QTE d'anthologie qui plus est. Ou le combat. Oula, celui-là du milieu il me fait peur. Il a assez. Oh, on dirait qu'un de survivant. Oh, il est super costaud le mec. Hein. Ah merde, c'était bien ça, c'était bien QTE. Je m'attendais pas du tout. Qu'est-ce que tu me tapes là? Comme ça qu'on fait. Et comment je fais pour rater? Non, en fait, j'appuie pas au bon moment. Ah, c'est pas grave. Alors, c'est l'occasion, ou jamais, de vous montrer que quand t'auras tes QTE, bah tout simplement, on recommence. On recommence là où on en était. Et cette fois-ci, on va être un peu plus attentif. Et ça devrait pas poser de problème. On vous laisse savourer. Samara. Ah, j'étais sûr que t'allais te rater sur ça. Classe ultime, oh là là. C'est incroyable, il les a tous défoncés un par un. Alors là, franchement, si cette cinématique vous fait pas aimer le jeu, je sais pas ce qu'il vous faut. Il faudrait que tu fasses attention sur les combos.
Ouais, c'est là il était dur et puis je me l'attendais pas. Je m'en souvenais plus de ça du tout. Non, je m'en souvenais, c'est pour ça que j'ai rien dit. Quel enfoiré. Allez. Ah merde. J'espère qu'il va pas falloir tout recommencer. C'est dur à faire vraiment avec la manette Xbox. Ça. J'espère qu'on ne saurait pas ce problème, vous. Non, voilà, on recommence ici. On va essayer de pas déraper. Il faudrait que je prenne du talc pour les mains, pour avoir les mains sèches. Et voilà. Hop là, qu'est-ce que tu voulais toi le trablo? Bon, je sais pas si c'est un homme ou une femme. Apparemment c'est une femme. Oh, y'a Zoro derrière, regarde, avec les cheveux verts. Oh mais... Elle a popé, normal. Mais à deux mois, je sais pas, fais quelque chose, non? Je me fais agresser par une tonne de personnes. Ah, je pense qu'elle t'a déjà aidé. Ah ouais, oh là là. En plus, elle a eu le temps de se casser et tout. On l'a même pas vu. Elle a même pas fait un seul bruit et tout le monde est par terre. Ah, Maître Yoda! Maître Yoda, êtes-vous vivant? Ouais, parce qu'il ressemble vachement au Maître Yoda, son faciès. Elle est trop discrète. Ouais, bah écoute. Elle a vraiment massacré tout le monde, hein. Ça ne fait aucun doute. Mais elle aurait pu intervenir avant, ça m'aurait évité quelques soucis de Quick Time Event. On a eu du mal, alors on va finir la cinématique, ensuite on va expliquer ce qu'on a vu. あなたは俺は葉月亮と言います。これは主の手紙。この葉月岩尾という方はあなたの父です。蘭亭という男に殺されました。 私有門の手がもう日本にまで。私は趙、修玄達の側近です。修玄達さんはどこに？今は居所がつかめません。私有門に狙われ身を隠されたとしか。私有門に。 一体どうすれば？一つだけ方法があります。しかし相当な覚悟が必要です。構いません。ならばヘブンズの蓮を探しなさい。ヘブンズの蓮。死を狙っているのは後天界のトギュウという男です。トギュウ。 そのトギュウと対立している男がいるのです。奴ならなんか情報を握っているかもしれません。それがヘブンズの蓮。そうです。奴らはアバディーンを根城にしています。わかりました。ありがとうございます。レンは危険な男。油断は禁物です。 Ça y est, l'histoire se met en place, voilà. Enfin. On a un tournant du scénario. Un gros tournant même, on va devoir rencontrer quelqu'un, on va devoir... On a entendu pour la première fois les Chi-Yun-Men. Chi-Yun-Men, je sais pas comment ça se dit. Et voilà. So. そんなことが
それで資源達の行方は？ヘブンズの連なら知ってるかもしれない。ヘブンズの連？待ちなさい、連に会うつもりなの？手がかりはそれしかないんだ。よしなさい、みすみす死にに行くようなものだわ。俺はどうしても修験達に会わなくちゃならないんだ、親父の仇を討つために。デプラスモン、まだわからないの？憲法は人を生かすためにこそある。己の感情に任せて剣を振るえば、あなたも邪道に落ちるのよ。セパフォ、俺のことは放っておいてくれ。もうあなたに迷惑をかけたくないんだ。そうだったら買ってみなさい。Il a choisi sa voie, la voie de la vengeance. Comme depuis le début, il n'a pas changé tout simplement. Et c'est pas pour déplaire, parce que moi ça me plaît. Par contre, on va expliquer un petit truc, une nouveauté qu'on a vue dans les QTE, donc les Quick Time Events, c'est que c'est le combo QTE. Donc vous avez vu, en fait, c'est plusieurs enchaînements de touches à réaliser pour simplement réussir l'action. Vous avez vu, Viri a raté le premier, avec il s'est pris la pastèque dans la gueule. Ouais, c'est ça. C'est un truc dont je me rappelais plus. Si je me rappelle maintenant, parce que je sais qu'après il y en aura des très importants. Et qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, d'accord, il y a des travaux, donc on est obligé d'aller ici. Bah écoutez, on le fera ça dans le prochain épisode, parce qu'il est temps de terminer cet épisode riche en actions, riche en événements. Et en révélations aussi. Merci Begito d'avoir participé à cet épisode, c'était sympa. Allez, à plus tard. De rien. À bientôt tout le monde.